Bonjour tout le monde, c'est Lémi Coupaillé aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode rempli de nouveautés et en même temps l'épisode le plus l'un des épisodes les plus importants parce que dans les quêtes annexes ça sera aussi il y aura aussi des épisodes importants car il y aura des trucs stylés, des hommages, mais vous comprendrez plus tard. Donc montons cet escalier tout de suite et au-dessus on aura une putain de belle cinématique. Il sera un peu refait, mais vous comprendrez. Enfin, qu'on va l'avoir au début, ça sera un peu pareil que Pokémon Soleil et Lune, mais après ça sera modifié. Enfin, je sais pas comment ils l'auront fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura des modifications dans la cinématique. Ce lieu, cette atmosphère, c'est comme si la Lune nous donnait sa bénédiction. Doudou. Je suis tellement désolé, je ne peux pas encore te rendre ton apparence d'origine. Il faut d'abord que je parle à ma mère. Je dois lui dire ce que je ressens. Elle doit comprendre qu'il nous faut réfléchir aux problèmes posés par Necrozma tous ensemble. Et en parlant de Necrozma, on le verra dans cet épisode, mais voilà. Je vais pas trop vous dire de nouveautés, sinon. Voilà. C'est étrange, la flûte du soleil ne m'intimide pas. C'est comme si je savais déjà comment jouer. Allez, la cinématique. Après, ça aurait été stylé si genre on pouvait contrôler pour. Genre on touche les touches pour faire la musique avec la flûte de la lune. Ça aurait été stylé ça. Lémi, il faut que tu te places de l'autre côté. Ok. Mais voilà, ça aurait été stylé si genre on pouvait faire le truc de la lune. Bon, ça aurait été peut-être très rageant, mais voilà. Le symbole de Lunala. Allez, je vous laisse la cinématique. Oui. Voilà. Doudou est devenu Lunala. Bon, je pense que si vous avez joué ou regardé mon let's play sur Pokémon Lune, vous êtes au courant, mais voilà. Doudou, heureusement que tu n'as rien. Tu m'as fichu une de ces peurs à t'envoler comme ça tout d'un coup. Le son des flûtes t'a redonné de la force. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il te ferait évoluer en Pokémon légendaire. La cérémonie a fonctionné au-delà de mes espérances. Pourtant, j'ai épluché tout un tas de vieilles légendes, mais aucune n'a jamais mentionné d'évolution en Pokémon légendaire. Et c'est vrai que c'est la première fois où un Pokémon évolue en légendaire. Lunala. Enfin, je veux dire Doudou. Putain, je suis vraiment malade, moi, c'est fou. Je voudrais que tu m'emmènes auprès de ma mère. C'est bien beau de vouloir capturer un Necrozma, mais elle n'a pas besoin de le faire seule. Que se passe-t-il? Maintenant, je peux enfin retrouver mère. Et voilà la nouveauté des cinématiques. Guzma? Mais pourquoi? Ah!
Merde, non! Et voilà, Necrozma, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Voilà à quoi il ressemble. Que faites-vous? Que faites-vous? Fuyez! Cette chose est un monstre! Bah, on le voit quand même, hein. On a des justes rappels. Mère! Donc voilà la petite cinématique bonus. Enfin, si c'est bonus, hein. C'était pas comme ça dans Lune. Il n'y avait pas de cinématique pour ça. Voilà. Necrozma. C'est Necrozma! Dès qu'il s'est réveillé, il est entré dans une rage folle. Rien ne peut l'arrêter. Si, une Master Ball. Lily! Fuis tant qu'il est encore temps. À quoi servirais-tu de toute façon? Merde, non, je voulais dire je vais sauver Lily. Mais j'ai écrit je vais le vaincre. Cinématique encore bonus. Et qui est très stylé. Allez, allez, doudou. Oh! Le Lunala de la miniature, et ben on le voit en vrai, hein. Ça, il est tellement stylé ce Lunala. Ah, sifflotte. Mais qui va là? Des nouvelles ultra chimères. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tilly, mon petit-fils, je compte sur toi. Te crois quoi? Es-tu là pour sauver ton île ou est-ce que c'est l'odeur du combat qui t'attire? Moi, je dis que c'est les deux. Les autres, elles seraient-elles aussi menacées de la sorte? Courage, vous autres. Donc, c'est le bordel maintenant. Allez, Alexia. Dan. Et Polly. Waouh, cette cinématique était magnifique. Attends. Oh la musique. Oh mon dieu. Necrozma apparaît. C'est Ultra Lunala, bordel! Dans le jeu, il l'appelle Necrozma, mais moi je vous jure, je l'appelle Ultra Lunala. Pour... Ah merde, on... Attends, je regarde si on peut utiliser les balls. Ah bah non, on ne peut pas malheureusement. C'est quoi ce bordel? Bon bah faut tabasser à mort Necrozma. Enfin Ultra Lunala. Faut le tabasser à mort. Oh bah alors là. Bon je vais quand même essayer de l'attraper avec une Pokéball pour le troll. Mais on ne sait jamais. Hein. Allez Hyper Ball. Vous ne pouvez pas attraper Necrozma s'il a... fusionner avec un autre Pokémon. Ah donc faut vraiment le tabasser à mort. Bon bah arrête Necrozma. Moi toute mon équipe aura de l'XP. 2800 c'est un peu crevard mais ok pourquoi pas, why not? Ah bout de feu. Ah là on revient sur des attaques intéressantes. Bon allez casse-toi gros feu. La première attaque du jeu, on la dégage enfin pour un bout de feu. Dommage, on pouvait pas te tuer. Enfin, on pouvait pas l'attraper. Moi, j'aime bien Lunala comme ça.
Je descends aux enfers. Et c'est bon, les ténèbres sont venues à l'eau là. Oh putain. Oh le trou noir. Nekrozma, le maître de la lumière, il s'empara de toute cette dalle là. Son seul désir est de recouvrir toute la lumière qu'il a perdue. Mais comment faire? Pour tout vous dire, en le regardant, j'ai eu l'impression qu'il cherchait quelque chose, qu'il souffrait. Tu es vraiment trop bonne de t'en faire pour ce monstre. Je suppose que c'est cette même gentillesse qui t'a poussé à emporter Cosmog. Quelle naïveté. Nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez passer d'un monde à l'autre grâce au Pokémon légendaire. Prêtez-le-nous. Oh, mais bien sûr, Madame la Présidente, on va faire ça pour vous. Absolument. Laissez-moi quelques instants que j'incline ma moustache pour baiser vos petits pieds. What the fuck? Comprenez-moi, tant d'altruisme et de philanthropie. Putain, mais c'est vraiment un mot ça? Mais est-ce que ça c'est vraiment un mot? Philanthropie. Dans une seule personne, c'est trop. Vous voulez que je vous dise ce que vous pouvez en faire de vos demandes? Vous les enfoncez bien profond dans le cul, c'est pour ce qu'il voulait dire ça. Je vous en prie, capitaine, un peu de retenue. Tu as raison, ce bat n'arrangerait pas notre situation. Bah, un peu. Ça pourra nous défouler. En parlant de combat, j'ai remarqué une chose tout à l'heure. Necrozma avait l'air étrangement captivé par le Super Bracelet Z. Il avait l'air de convoiter la lumière qui émanait de cette pierre brillante. Tu crois pas plutôt qu'il louchait sur les cristaux Z? Lemmy fait le tour des îles, il a toute une collection de cristaux Z. Ouais. Carrément plus que les doyens et les capitaines qui se contentent d'un seul type de cristal. Nous ne pouvons pas utiliser Solgaleo pour combattre, mais nous utilisons sa force pour voyager dans l'ultra-brèche. Puisque tu as réussi à invoquer Lunala, tu parviendras à chausser Solgaleo! Oh. Cette phrase est très importante apparemment. Sans problème, c'est comme une Pokémon tu... Oh putain de merde, mais c'est quoi ce jeu? Ça s'appelle l'Ultra Exploration. Il y a beaucoup de trucs avec Ultra ces jeux, hein. Ultra Mégalopole, Ultra Exploration, Ultra Solgaleo, mon cul bordel! Après, ça va être Ultra Sim, Ultra Soli, Ultra Lily, Ultra ce que tu veux. Ultra Bref. Les autres portails déboucheront sur d'autres mondes. Ok. Ultra Exploration, pas le motif soit, on va devoir essayer. Ah merde, faut faire quoi? Je dois faire quoi? Mais ah, d'accord, fallait leur parler. Nous allons nous prêter Solgaleo. Laisse-toi porter par Solgaleo et vise bien le portail blanc. Ok. Donc si on dit dans un instant, c'est tout simplement pour qu'on peut sauvegarder ou qu'on fait quelques trucs. Solgaleo, à toi de jouer. Encore des cinématiques. Donc je pense que si on est sur Ultra Soleil, on peut contrôler Lunala. Oh! Oh, c'est vraiment l'épisode le plus stylé là, je pense. Utiliser l'Ultra Exploration pour monter sur Solgaleo et viser une Ultra Brèche. Traverser les dimensions pour explorer de nouveaux mondes. Oh non, mais vous êtes dégueulasse. Mais vous êtes dégueulasse. Pour contrôler sur le galop, utilisez les capteurs de mouvement, en inclinant la console vers le haut et le bas. Si le capteur de mouvement est mal calibré et que vous avez du mal à vous placer, redressez votre position, appuyez sur le bouton A pour le recalibrer. Sur le galop peut progresser dans l'ultra-brèche en accumulant de l'énergie. Récupérez les sphères d'énergie pour accélérer et vous déplacer encore plus loin. Hein. Si vous heurtez les obstacles électrifiés, vous perdez de la vitesse. Les grandes brèches sont des portails, ils vous attireront si vous passez trop près. Les portails vous enverront dans d'autres mondes en fonction de leur couleur.
Ah oui, donc c'est grâce à ça qu'on pourra aller capturer des légendaires. Bah on fera peut-être des vidéos sur ça ou un stream, je sais pas. Les portails les plus rares dégagent plus d'énergie. Il existe 4 niveaux de rareté. Les portails les plus éloignés et les brillants mènent peut-être à des Pokémon rares, donc des légendaires. Ou des shiny, ça se peut, hein, mais shiny j'y pense pas trop. Hein. Accumuler autant d'énergie que possible pour atteindre les portails éloignés. Donc va falloir se mettre en vue dégueulasse. Merci le jeu. Je suis déçu. Oh, l'écran du bas est très beau. C'est rien mais c'est stylé, c'est beau. Ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain. Putain, hey, c'est vraiment stylé. Wow. Allez. Wow. Wow. Ça m'intéresse, c'était très brillant. Je me demande s'il n'y a pas un petit légendaire à la sortie. Vous vous retrouvez à 1275 années-lumière de distance. Necrozma ne semble pas se trouver dans ce monde. Ultra dimension 0. Peut-être, mais je crois que c'est ici où on peut avoir un légendaire. Je sais plus, c'est le. Attendez, je sauvegarde au cas où. On ne sait jamais. Alors, c'est qui? Oh, un mousté flotte. Ah ouais, ni. Ah oui, ah d'accord, ah. Attends, c'est quoi? On va quand même l'attraper pour le LOL. Scuba Ball. Pour le LOL, hein. J'allais pas me cacher, hein, c'est pour le LOL. Hein? Ok, on va se barrer. Oui, on se casse. Je me casse, petit Pokémon. Je te laisse. Allez, salut, à jamais. Oh, on peut pas appeler de monture, c'est dégueulasse. Ah, mais j'ai pas d'autre monture. Et je fais comment pour partir? Oui. Appelez-moi encore sur le Galio. Attends, est-ce que ça refait la cinématique? Ah bah oui, donc et ben. Ah non, ça va, ça ne le fait pas. Mais c'est stylé! Yeah! Putain, il nous donne beaucoup de vitesse là, hein. Ah, désolé si vous voyez pas bien, mais voilà quoi, hein, c'est pas de ma faute. Ah, merde. Ah bah, fallait aller ici. C'est l'ultra mégalopole. Oh, c'est beau. Ultra mégalopole. Wouah! T'as vu ça, Roro? Y a quelqu'un d'Alola qui est venu jusqu'ici à d'autres sols Galéo. On fait quoi? C'est l'occasion de faire plein d'expériences. Mouah! Un peu de calme, Zoé. Donc en fait, ces deux-là, ils sont dans la version Pokémon Soleil à la place de Sim et Soli. Bonjour, habitants d'Alola. Necrozma s'est réfugié au haut de la tour après avoir absorbé la puissance de Lunala. Tous les habitants se sont réfugiés à l'intérieur des bâtiments et ils ont peur qu'ils ne se déchaînent à nouveau comme lors de la venue d'Elzamina. Necrozma a retrouvé sa puissance d'origine maintenant qu'il a absorbé de la lumière. Il est malheureusement incapable de contrôler toute cette énergie car il lui manque une
partie de son corps se lave pour l'instant dans un état de souffrance inimaginable. Jadis, nous avons utilisé notre technologie pour dompter Necrozma et produire de la lumière, mais nous nous sommes malheureusement retrouvés condamnés à vivre dans l'obscurité. Personne ne souhaitait cela, ni nous, ni Necrozma. Il se retrouve maintenant tout en haut de la tour, mais Gallopol. Je t'en prie, arrête-le. Si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour Alola. Ce n'est qu'ainsi que la lumière pourra revenir dans nos deux mondes. C'est l'Ultra Mégalopole? J'avais jamais vu de bâtiment comme ça. Juan Motisma. C'est très stylé, hein. Et l'Alola Alien, Necrozma te fait pas peur? Malheureusement, nous sommes impuissants face à lui. Notre technologie aussi singulière soit-elle ne nous permet pas de le maîtriser. Et nous sommes trop faibles pour le vaincre. Attendez. Et dire qu'autrefois, Necrozma a brevé notre monde de lumière, c'est bien fait. Il s'entendait même jusqu'à l'ultra-dimension. Ouais, Necrozma, c'est le meilleur. Donc si quelqu'un pouvait le calmer, il redonnait son énergie à tout le monde. Allez, s'il te plaît, aide-le. Ok. Oh putain, tour mégalopole. Bon, je pense que ça va être long là, donc on va courir un petit peu plus. Non! Ok. Ah bah en plus, nice, on voit pas les légendaires. Bon, je pense que ce n'est pas choquant ce que je vais dire. Hein. Je pense que vous vous y serez attendu un peu quand même. Hein. Si vous êtes intelligent, tu l'aurais su. Donc déjà, je vais commencer à me soigner. Et surtout... vous allez me traiter de chien. Et je vous dirai, c'est vrai. Alors ce que je vais faire, c'est être un très gros enfoiré. Car tout simplement... Attends. Classé par numéro. Éclat magique. Ah bah attendez, on va voir si on peut mettre des attaques aux Pokémon. Attendez, je regarde. Griffon, bref, bof. Attendez. Bon attendez, je fais une ellipse, je cherche des trucs et puis on se retrouve après. Ok, donc le truc que j'ai fait, c'est tout simplement fait l'Inferno, je lui ai mis Nitrocharge, donc il pourrait être un peu plus rapide quand il fait cette attaque. Et Tartar, je lui ai mis Psycho et aussi je lui ai mis l'Aquazélite. Et d'ailleurs, je vais. Voilà, vous allez voir mon équipe comment elle va être mise. Voilà. On va les mettre dans l'ordre du plus fort. Hein. Bah, c'est bon, c'est fait. Enfin, non, lui, il sert à rien, donc ouais. D'ailleurs, ouais, ces deux Pokémon-là, on les changera. Et donc, tout simplement, je pense que ce n'est pas choquant ce que je vais vous dire. Je pense que vous y serez quand même un tout petit peu attendu à ça. Mais bon, c'est la fin de la vidéo. Bah oui, ça aurait été trop beau. Non, mais en même temps, vu que le combat est très chiant, ça aurait duré trop longtemps. Ça aurait duré 40, 50 minutes. Et en même temps, là, il y a eu quand même pas mal de vidéos d'une demi-heure. Donc, une vidéo de 23, 25 minutes, c'est quand même pas mal. Donc ouais, on s'arrête là. Et puis au prochain épisode, on combattra Necrozma. Et putain, après il y aura beaucoup de nouveautés. Mais d'ailleurs, bah après ça, on devra aller directement à la Ligue Pokémon. Hein. Et ouais. Donc, on se rabroche. Là, on est vraiment à la fin du jeu. On combat Necrozma, on le tue, on fait la route victoire. Ouais, la route victoire, Ligue Pokémon, c'est bon. Donc là, je dirais en tout qu'il reste 3-4 vidéos avant. Non, 5 vidéos. Et après, à la cinquième vidéo, tout simplement, ça sera le maître, je pense. 5 ou 6 vidéos avant le maître. Donc ouais. Et après, on fera que des quêtes annexes. Et voilà.
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et je vous laisse. Et vous allez stresser maintenant. Vous allez stresser votre race. Donc, et ben, je vous dis salut tout le monde. Yeah!